Fermato. Poi X vedo un po', c'è un coup à bout, mais j'ai d'abord actionné le feu de camp, et après on va laisser le coup à bout, on va tout faire d'une traite. Ouais, c'est pas un coup, je vais pas mourir, tu vois, je vais coucher en revenant de la cloche. Hop 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 hop. Alors, ça c'est la fin de plus d'une heure, ouais, vu que j'ai merde. Alors, on va tirer. Alors, je vais le faire maintenant, sinon il faut que je le kiffe. On va d'abord parler au premier PNJ de Catalina, comme j'ai dit, je l'avais pas fait tout à l'heure. Ici, c'est un sub-niveau, c'est le château pour la forteresse de Seine. On ira tout en haut à Fontainebleau, et ça va nous amener à un Orlando qui est tout en haut là-bas. Vous verrez comment ça nous amène. Alors d'abord, faut qu'on aille parler à ce PNJ là, on passe tout ce dialogue. Et il dort. Et il dort tout le temps, mais vous allez le voir, il dort tout le temps. Voilà, Catalina. Hein. Il veut qu'on lui ouvre la porte. On fait tout le dialogue. Voilà, c'est bon. Vous n'avez pas fait dans ma même partie, c'est-à-dire que je ne pas pouvoir faire ça. Pardon, je fais du bruit partout. Ça va péter du son, si ça vous avez bien m'entendre, parce que je fais la beauté sinon. Les stars sont rouges, quand même. Enfin, on va aller voir notre forgeron. Allez hop, voilà, notre porte en vrai. Ici, il y a des poissons, ça nous amène au bout de un fruit de morceau, si vous voyez bien, pour se passer, il y avait, mais du coup, on va l'esquiver, on ne peut pas se faire faire goûter. Voilà, ça ne reste pas rien, allez hop. Acheter, allez, on peut acheter des fragments de sneak pour monter notre âme jusqu'à plus 5. Vous voyez, l'emblème de Storia, c'est le fruit de morceau. Enfin putain, je crois que j'achète pas qu'on achète tout ça. Alors, faut que je le ferme pour acheter tout ça. Et puis voilà, les flèches, puis voilà. Alors, c'est l'arme. Le piment. En plus ça. Alors là, même en plus d'attendre. Voilà, acheter. Voilà, on peut monter le niveau. Voilà, acheter ici. C'est bien, cool. On vise ici les âmes. C'est la plus grosse qu'on a. Et c'est ça, on va mettre en plus de 4 commences. Oups, pour le boss. Plus 2, c'est ça. Voilà, maintenant. On va aller buter tous les mondes qui arrivent. On va aller. Est-ce que je m'en mets tout de suite? Allez, on est fou, on tente. Et puis tout le monde, je vais me mettre en ligne un peu de suite. Non. Ça va me permettre d'arriver donc directement au boss, pas de galérer. On verra parce qu'en plus j'ai que. La plus ou pas, j'ai que 5 7 de plus, mais c'est déconné la ressource qui permet de la ligne sauver. Alors, hop, on retourne. Alors, on bute les cliquets qui sont à côté. Là. Je vais prendre le pot bouclier là parce que lui il est deux fois meilleur. Attendez, on a dit les stats. Par contre, lui il est mieux en XP et en feu. C'est pas deux fois meilleur, non. Ou même, on peut dire dessus. Hein. Il est quand même bon. Hein. Au début, je vous donne un bouclier. Hein. Et là, par terre. Il y avait une marque d'âge. Il y a une marine invocation, et ben on va l'invoquer. Alors, il va nous aider à faire le boss. Il va nous aider à faire le boss. Ah, il y a les gros pavots là, le gros chevalier noir. Allez, viens. Ah ouais, moi je suis en ligne, sans envahir, on va le buter. Il y a des mecs qui peuvent nous aider, on va les invoquer pour qu'ils nous aident. Tu vois là? Moi je peux pas aller à l'XC, ça va. Ça va vite, seul des plus. Allez, viens. Ah putain, il y a
Dis-moi un peu sur le deck. On sait que c'est déjà, non? Parce qu'on a un new game plus tard, et puis... Ok, c'est que... dans cette zone-là, par le scope... Bon, on va voter. Parce qu'il y a Solaire en haut. Ok, ça, je pourrais faire des points de connexion, ça va. Ça va mieux, comme ça je pourrais aller. À l'Inxe, mettre une bifle de Distus, ouais, raccourci. Ça va directement à l'Inxe avec Zena. On y mène la beaucoup plus belle qu'en carcasse. Hein. Là, c'est cool qu'il y ait des. Il y a encore du monde en ligne dans Dark Souls. La même Dark Souls 2 va quand même pas mal dessus. Je vais lancer leur jeu sur Dark Souls 1. Dark Souls 2, moi j'aime bien, j'aime beaucoup. C'est plus de 300 heures dessus, j'aime beaucoup. Hein. Mais c'est pas pareil que Dark Souls 3. C'est pas la même chose. J'ai dû faire Dark Souls, ils ont fait Dark Souls 2 un peu comme. Comme Dark Souls 2. Comme Demon Souls. Vous voyez que maintenant qu'on a. Non. Avec vous, c'est pas. Non, pas vous, j'ai pas parlé. Il y avait pas encore la prêtresse qui était là. Je sais plus si on a vu la prêtresse, c'est vous aussi. C'est dans l'autre partie, je suis avec vous. Ah, c'est dans l'autre partie, je sais plus. C'est un photo, il y a 10 fioles de plus. Ah, je parlais du tour, on a quand même monté à plus de fioles de plus. Ah, je suis bête, c'est pas grave, on est pas. Le prochain truc. Pour monter à plus de parce que c'est juste sur. Ah, je suis bête. Si vous prenez les gros chevaliers noirs, il n'y a pas qu'une fois dans une partie, c'est un lave. Il y retourner, il réapparaîtra pas. Ah, je suis bête, je suis bête. Là, par là, c'est pas l'off-log. Un truc au corbeau, je vais pas lancer le truc au corbeau, mais bon. Bon, il faut dire qu'on veut. Quand j'y arrive. Je vais y aller bientôt. Je pense à faire l'amour du crépuscule. Après, deuxième fois, j'ai fait le prologue sur ce. Un oublier celui-ci. Attendez, alors là, elle est là, la deuxième âme gardienne. J'ai bien vu que dans Dark Souls 2, il y avait des galines de ce qui était vieille. Alors lui, là, le magicien, faut le buter, parce que sinon, je vois que c'est pas encore les invitations. Faut le buter, parce que sinon, il renforce les zombies. Et c'est juste que mourir, c'est comme on a 30 minutes. Parce que là-haut, il y a tout un tas de zombies, et c'est sûr... c'est pas grave. Il y a des balbères. Pour sortir dehors, parce que dehors, il y a les zombies que j'ai passés juste côté. Ça me met tout le temps. On va se coucher. Ah, j'ai la petite épée, elle était plus tout à fait. Peut-être trouver la nuit. On va jouer. Vas-y. C'est où? Oh là là, ça a éclaté. Oh la flèche que j'ai pris dans la ligne. Oh là 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 là. Voilà. Je vous montrerai après comment faire pour le sanglier. À la fin, quand on a fait l'histoire, je te fais la zone du premier coup. Alors lui, un truc qui est escalé, c'est compliqué à le buter. Allez, quand même, battez dans les escaliers, vous êtes en bas, alors vous passez sous leurs attaques qui sont plus hauts que vous. Alors ici, je déteste ici. Les 7 zombies. Et c'est où les zombies là hein. Par contre, on a là une grande épée. Avec l'épée draconique, vous mettez la tarbouille avec la vague de choc. Hein. Et lui tous. Hein. Voilà. 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 Écoutez, ils m'ont ramené le magicien. Vous voyez, quand on sort, on se met dans les pattes. Bon, là, on va aller voir le trek. Il y a encore un bal d'air. Il dit qu'il faut le trek, mais c'est pas le futur plus tard. Quand vous tirez à l'infeu, vous avez quand même un objet avant que vous. Si vous ne pouvez pas aller, vous donnez un objet, ce qui vous remercie de l'avoir. Sauver. Oh, oh là, il me fait un contre. Je sais pas qu'il y avait des contres.
Lógico, foi na cidade com esse clínico, só. Ah oui, les techniques pour les tuer. Regardez, vous le vendez de l'automatique. Regardez bien. Regardez, vous le dézoomez et vous passez dans son dos. Oh putain, je ne peux pas y arriver. On a bouté à deux mains. Vous passez dans son dos et pas stable. Là, c'est un shot. Donc, c'est retourné sur son. Voilà, maintenant on est tranquille, il n'y a plus d'ennemis. On va pouvoir aller tuer les gargouilles, tourner la cloche, arrêter la vidéo. Voilà. Enfin, ça c'est un bel jeu là-bas quand même. C'est bien fouillé partout. Hein. On en barre tout, c'est pour fouiller partout. Il y a un objet là, on ne peut plus. L'humanité, c'est toujours utile. Sachez que l'épée a su, même dans ce 2 il y avait une petite barre à plusieurs sur l'épée, que là il n'y a pas. Et a su quand même, dès que peut-être quelque chose, enfin me taper dans le mur ou quelque chose, a su quand même. Voilà, il est là le sec, il me laisse aller la vue. Je crois que l'épée, voilà. Je pouvais lui parler, je peux lui tuer directement d'ici, mais bon, pour mieux le truc, à ligne de feu, il vous donne un point de solaire ou je ne sais plus quoi. Vous voyez, c'est donc sur un gagné. On va aller affronter les gargouilles, j'espère faire du premier coup. Voilà. On va invoquer ce solaire. J'espère qu'il y aura peut-être un mec en ligne, oui, c'est cool. Donc, j'ai oublié ça. Allez chercher le kill them. Ah, là-bas, il avait droit un truc. Ouais, c'est une merde. Et les armes, c'est toujours utile. Alors, c'est sûr, c'est pas vraiment dans ce jeu, quand même, c'est utiliser les armes une par une. C'est le problème. Position de combat, allez, on monte. Par exemple, peut-être mec en ligne vient m'aider, sinon on a que solaire. On va faire faux solaire, il a gros les ennemis dans l'extérieur. Moi il a moitié du pain doré. Alors, bah, on va le faire nous-mêmes. Hop. Maintenant que solaire il arrive. Allez, je vais sur le soleil. Et hop. Soigne quand même, allez, c'est parti. Allez, ça va prendre vraiment un peu sur deux. Et on doit aller monter tout en haut. Où est-ce qu'il part? Heureusement, c'est pas les 4 qu'on a en chemin. Parce qu'on a en sous deux, c'est combien? 5? Ouais, mais on va voir la taille. C'est pas la même taille. Si vous lui coupez la queue, vous gagnez sa halbe. J'ai essayé de lui couper la queue en direct, j'ai fait tout à l'heure, j'ai réussi à la couper. Avec vous, j'ai essayé de la couper. Avec les poids, il y a un deuxième qui arrive. Regardez, il y a un autre solaire. Voilà, direct du premier coup, parce qu'avec avec l'autre. Allez, attaque-le, putain. Qu'est-ce qu'il m'attaque? Vous voyez, c'est comment ça va très mal. Oh, ok, comme le cul. Il a un jeu de pitune. Allez, c'est de garder quand même un truc de Pandoré. Alors, c'est super mal. Allez, c'est l'air, oui. Oui, il a passé mon frère. Là, je vais faire un souvenir. On peut trouver quand même là. C'est bête. Là, il dit pas être là. Alors, vraiment,